Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Dietetic Student. Donc aujourd'hui, on part sur une étude de cas. Donc pour créer le sujet, je me suis inspirée des annales de BTS qui existent déjà. Mais l'idée, c'était de vous proposer un sujet d'étude de cas. Je vous laisse travailler, donc vous mettrez la vidéo en pause sur le sujet. Et ensuite, on voit un peu des éléments de correction ensemble. Parce que, encore une fois, quand j'ai créé Dietetic Student, c'était vraiment parce que je trouvais pas ce que je voulais quand j'étais étudiante, et donc les annales, c'était un truc qui me manquait vraiment. C'est-à-dire, j'ai un contrôle sur quoi je m'entraîne, et donc je recréais moi-même des sujets, ça me prenait un temps de ouf, et vous savez que Dietetic Student est là pour vous aider, et on est quand même là pour ça. Donc, on y va avec le sujet d'aujourd'hui, qui est donc une étude de cas sur le diabète et la dyslipidémie. Donc, voilà le sujet. Donc, c'est un sujet que j'ai choisi relativement simple avec les infos importantes. Et vous allez voir, c'est des questions qui sont hyper typiques. Et il faut savoir que derrière cette question se cache ça, ça, ça comme étape de réponse. Donc je vous lis le sujet une fois voilà, avec vous. Après, libre à vous de mettre la vidéo en pause et vous avancez pour une fois que vous avez terminé au niveau de la correction. Donc Madame Dupuis, âgée de 55 ans, consulte pour la première fois un diététicien suite à un diagnostic récent de diabète de type 2. Elle est en surpoids, IMC 30 et présente une hypertension artérielle modérée. Elle mesure 1m61. Les antécédents médicaux de Madame Dupuis comprennent également une dyslipidémie, de l'arthrose et des antécédents familiaux de diabète. Madame Dupuis est enseignante et travaille à temps plein. Elle pratique un peu d'activité physique et avoue avoir une alimentation déséquilibrée, souvent prise sur le pouce et riche en plats préparés. Elle achète ses encas au supermarché d'en face, au rayon biscuit. Sa boisson préférée est le café avec 2 carrés de sucre. Donc les objectifs de prise en charge, c'est un équilibre glycémique, une perte de poids, une gestion d'hypertension. Ça, ce sera toujours mis dans l'énoncé, soit de cette manière-là, soit... Madame Dupuis, vous êtes envoyée par son médecin, voilà la lettre du médecin et vous retrouverez ces infos-là. C'est des infos que vous retrouverez à un moment quelque part dans votre sujet, juste pas toujours présentées de la même manière. Et ensuite, donc tâche à réaliser, question, tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez 4 questions, 4 choses à faire, de réaliser une anamnèse, un plan alimentaire, de l'éducation thérapeutique du patient et de mettre en place un suivi régulier. Donc là, vous lisez les questions. Première étape, on s'occupe du sujet. On relit une deuxième fois ce sujet et on sélectionne les informations importantes. N'oubliez pas que dans un sujet, c'est très rare qu'on vous mette des infos dont on s'en fout. Les infos présentes dans un sujet, en général, si elles sont là, c'est qu'on en a besoin. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le sujet, je vous laisse travailler et on se retrouve juste après pour la partie correction. N'hésitez pas encore une fois à mettre pause sur le sujet. Et je vous mets le lien de l'article de Dietetic Student dans la description si vous le préférez sur site web. Voilà, j'espère que vous avez bien travaillé. On passe maintenant à la partie correction. Donc la première tâche était de réaliser l'anamnèse alimentaire et évaluer les habitudes alimentaires actuelles. C'est une tâche qui est très souvent demandée. Donc là, vous, il faut que vous soyez le plus exhaustif possible. Pour cette épreuve de BTS, sachez que vous allez avoir à écrire une tonne de textes. Donc, préparez vos stylos parce qu'il va falloir écrire vite et bien. Donc, le préciser, qu'est-ce que c'est qu'une anamnèse alimentaire, ça montre toujours que vous savez de quoi vous parlez. Donc, soyez sûr de votre définition, mais si vous êtes sûr, mettez-la, c'est toujours bien d'avoir une petite définition. Donc, l'anamnèse alimentaire a pour but de recueillir des informations sur les habitudes alimentaires, préférences, horaires et quantités consommées par Madame Dupuis, l'importance de prendre en compte les repas principaux, collations, boissons, bref, pour dire que vous n'avez rien oublié. Donc, là, c'est basé un peu sur des hypothèses, et sachez qu'en BTS, ça peut arriver que vous soyez basé sur des hypothèses. Donc, globalement, avec le sujet, on comprend que Madame Dupuis n'est pas très organisée. Donc, il est possible que Madame Dupuis saute souvent des repas en raison des contraintes professionnelles, les horaires de repas sont irréguliers, désynchronisés. Là, encore une fois, la correction, moi, je l'ai tirée du sujet dont je me suis inspirée. Maintenant, pour moi, tant que c'est justifié, vous auriez très bien pu mettre, il est possible que Madame Dupuis ait des horaires très réguliers car son emploi du temps est fixe. Peu importe, mais surtout, ayez une justification précise et pensez à la suite surtout. Si là vous mettez que c'est désynchronisé, plus tard vous pourrez dire qu'on va apporter des solutions pour les fois où elle a sauté ses repas, etc. Pensez à la suite, pensez votre sujet en intégralité.
Sur la partie contenu des repas, les repas sont principalement composés de plats préparés. Ça, c'était écrit dans le sujet. Riche en sucre simple, bah, on a dit qu'elle mettait 2 carrés de sucre dans son café. On peut parler qu'elle est riche en sucre simple. Graisse saturée parce qu'on a parlé de plats préparés. Et sel, pareil, parce qu'on a parlé de plats préparés. Les légumes et fruits, on n'en a genre pas du tout parlé, donc peu présents dans son alimentation. Encore une fois, si c'est justifié, n'hésitez pas à justifier tout ce que vous mettez. C'est toujours dur d'avoir une question sur l'anamnèse alimentaire quand on n'a pas beaucoup d'infos. Si vous inventez un petit peu, justifiez pourquoi vous avez mis ça. Parce que souvent, ce n'est pas inventé, c'est déduit de ce que vous avez lu. Au niveau des boissons, elle consomme principalement du café et des boissons sucrées tout au long de la journée. Ça, c'était écrit dans l'énoncé. Et au niveau des habitudes, elle prend souvent des encas peu sains, sachant qu'ils sont pris au rayon biscuits. Donc, on se doute que, on est plutôt sur du granola ou du pépito que, sur une pomme. Riche en calories vides et faible en nutriments essentiels. N'oubliez pas que le BTS diététique, on est sur de la théorie, on n'est pas sur de la pratique. Quand vous allez travailler en pratique avec vos patients, vous ne donnerez jamais ça comme anamnèse, parce que là, votre patient, il va repartir, il ne voudra plus jamais revenir. Ça, c'est le constat que vous faites, vous, de votre côté. Mais c'est encore une fois, c'est de la théorie. On passe maintenant à la deuxième tâche, donc qui est la proposition d'un plan alimentaire individualisé. Alors, j'ai mis cette question parce que c'est pas rare que ça arrive. Et n'oubliez pas qu'un plan alimentaire, il y a des étapes avant. Voilà. Donc, pareil, comme tout à l'heure, petite définition, enfin, petite phrase introductive sur le plan alimentaire qui doit être individualisé, adapté aux besoins spécifiques, blablabla. C'est toujours important et c'est toujours bien de remettre en contexte. Nous, on a 3 objectifs principaux avec ce plan alimentaire individualisé, qui reprennent ce qu'on a vu dans le sujet, contrôle de la glycémie, perte de poids et contrôle de l'hypertension. Donc on va devoir baser notre ration, notre plan alimentaire sur ça. Voilà. Donc ça, globalement, c'est ce que vous mettrez en justification en dessous, parce qu'en vrai, votre plan alimentaire, il va être le même s'il n'y avait pas ces points-là. Par contre, on va devoir dire qu'on va établir un déficit calorique, blablabla. Donc, pour ça, plan alimentaire égale ration. Égale ration. On ne sort pas un plan alimentaire d'un chapeau. Un plan alimentaire, c'est l'étape suivante d'une ration. S'il n'y a pas de ration, je ne sais pas comment vous établissez un plan alimentaire. Encore une fois, on est sur un BTS diététique, on est sur de la théorie. En pratique, vous pourrez quasiment établir un plan alimentaire après une anamnèse bien poussée. Vous avez vu les infos qu'on a dans le sujet. Bon courage pour tirer un plan alimentaire sans ration. Donc là, au moins, on va se baser sur un truc solide. On sait que notre madame, elle fait 1m61, elle a un IMC de 30 et elle a un âge de 55 ans. Au niveau de l'IMC, on connaît son IMC et sa taille. On connaît la formule de l'IMC, on peut en déduire le poids. N'oubliez pas qu'on va chercher à vous donner le moins d'infos possible pour que vous ayez les chercher vous-même. On connaît l'IMC, on connaît la taille, on va déterminer le poids. Il se trouve qu'elle pèse 77,8 kilos. N'oubliez pas que tout en bas de l'énoncé, c'est écrit d'arrondir vos résultats au dixième. Donc, on est sur 77,8 kilos. Maintenant qu'on a ces infos-là, on va pouvoir déterminer son métabolisme de base. Donc moi, j'ai utilisé la formule de Black and Hall. Je vous ai mis tout le détail en dessous. Mais pour la vidéo, je vous ai fait un petit tableau Excel parce que c'est quand même vachement plus joli. Mais je vous ai mis tout le détail. Et je l'ai converti en kilocal. Ça, je suis pas sûre que ce soit obligatoire, mais globalement, en BTS, on aime bien quand il y a plein de détails. Même les trucs qui servent pas toujours à grand-chose, on aime bien quand il y a plein de détails. Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, on a un NAP qui est estimé à 1,4. Alors vous pouvez le justifier. Soit vous faites un calcul de NAP avec la formule, soit vous dites par rapport à son métier de professeur, elle est relativement debout toute la journée, etc. NAP 1,4. On calcule sa DEJ. Donc on est à 8215 en kilojoules et 1963 en kilocal. Si vous voulez qu'on travaille tout ce détail de la ration, des calculs, etc., dites-le-moi en commentaire, on peut faire une vidéo à ce sujet. Et j'ai un e-book à ce sujet aussi sur le site de Dietetic Student si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on calcule les fourchettes, donc fourchette basse, haute, en protéines, lipides, glucides, fibres. Il n'y a pas de fourchette à calculer puisque le repère est à 30 grammes et il n'est pas augmenté par rapport aux pathologies présentées par Madame D. Donc, on calcule nos fourchettes, d'abord en kilojoules, puis on les convertit en grammes, parce que sinon, ça n'a pas de grammage, ça va être compliqué pour la ration. Enfin, ça dépend comment. Si vous travaillez, si vous avez l'habitude de travailler
en kilojoules, vous pouvez les laisser en kilojoules. Moi, j'aime mieux travailler en grammes parce que on a dans notre ration des totaux en grammes, donc je trouve ça vachement mieux. Et ensuite, de ces fourchettes, on en déduit notre ration. Donc là, on est à un total à 1963. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas proposé de déficit calorique. Là, j'ai proposé un équilibre. Enfin, j'ai fait une ration normocalorique. Si vous faites un déficit calorique, attention à ce qu'il ne soit pas supérieur à 100 kcal ou 25 kcal. 100, oui, c'est ça. Qu'il ne soit pas supérieur à 25 kcal ou 100 kilojoules. C'est mieux dans ce sens-là. Faites attention à cet écart-là parce que vous pouvez être pénalisé. Et surtout, justifiez-le en disant cette ration est en déficit calorique de tant de kilocal. Là, la mienne est normocalorique. Peut-être que du déficit calorique aurait été justifié par rapport à ce qu'on a écrit plus tôt. Voilà, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, là, vous avez une ration qui est normocalorique avec tous les quotas atteints. Et suite à ça, on en déduit un plan alimentaire et enfin on peut répondre à la question. Voilà. Donc regardez, souvent ces questions sont sur 5, 6 points. Très souvent, on n'attend pas un plan alimentaire pour 6 points. Hein, on ne va pas se mentir. On attend un plan alimentaire et une ration. La ration, en BTS, on compte qu'il ne faut pas qu'elle mette plus de 20 minutes à faire. Donc chronométrez-vous, il n'y a pas de secret. Si vous voulez des vidéos sur les rations, même des études de cas que ration, on en fait avec grand plaisir. Mais faut vous chronométrer, il faut que ça aille vite. Donc, suite à cette ration, vous en tirez un plan alimentaire avec une répartition. On ne vous a pas demandé de menu, donc là, ce n'est pas la peine. Le menu, c'est une étape encore après. Là, il fallait faire les étapes en amont pour pouvoir arriver à ce plan alimentaire. On ne vous demande pas les étapes d'après. N'oubliez pas toujours de faire ces petites phrases justificatives en dessous, en précisant qu'on lui préconisera des sucres à IG bas. On rappelle qu'elle a des prédispositions au diabète, de limiter l'ajout de sel parce qu'elle a de l'hypertension, etc. Et c'est là aussi que vous pouvez préciser si votre ration est normocalorique ou en déficit calorique de tant de calories. Voilà pour ce plan alimentaire. Dites-moi en commentaire si vous étiez tombé dans ce piège de faire une ration ou de ne pas la faire. Dites-moi ça dans les commentaires, on en rediscute après. Voilà pour cette question 2. On passe maintenant à la question 3, donc qui est sur l'éducation thérapeutique du patient en fait. Hein. C'est vraiment de l'ETP à proprement parler. On reprend toujours cette notre petite phrase de contexte pour dire que c'est important de faire l'ETP avec Madame Dupuis parce qu'il faut qu'elle comprenne l'impact de son alimentation sur sa santé. Et on a l'impact de l'alimentation sur le diabète de type 2. Voilà, on a ça qui est important à préciser. Surtout quand vous voyez une fiche. Une question sur l'éducation thérapeutique du patient. Sachez qu'on attend de vous un outil. Question de TP, on attend de vous un outil. Donc, ce que vous pouvez faire, de toute façon, pour votre épreuve d'étude de cas, vous amenez des stabilos, des crayons de couleur, des machins, des trucs, vous proposez toutes les bonnes pratiques à Madame Dupuis sous la forme d'une fiche. Vous prenez dans votre copie double une copie entière. Donc si vous êtes arrêté à la moitié de l'autre copie, vous vous arrêtez à la moitié, vous prenez la copie d'à côté en entier et vous faites un truc genre fiche conseil pour Madame Dupuis, vous le mettez en stabilo, vous le mettez en joli, en couleur, histoire qu'on ait compris que vous êtes en train de faire un outil en fait. Et donc là, on attend de vous vraiment de la création d'outils. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre point par point. L'idée, c'est de faire du listing. Alors là, j'ai vous voyez la patiente parce que je m'adressais directement à elle. Vous pouvez aussi écrire à l'infinitif. Ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Faites vraiment une liste de conseils. Alors, si vous savez très bien dessiner et rapidement, why not, allez-y. Moi, je dessine comme une brêle. Donc, très clairement, je faisais des points avec les trucs en couleur. Et comme ça faisait joli et ça faisait fiche conseil. En dessous, je mettais mon contact de diététicienne, machin. Vraiment que ça a une tronche de fiche. Donc voilà, pour la question 3, balayez tous les points qui vous semblent importants. Sachez qu'il y a des trucs, vous pouvez les mettre, quelle que soit la pathologie. L'hydratation, typiquement, quelle que soit la pathologie, il n'y a pas une seule pathologie, on va vous dire arrêtez de boire de l'eau et buvez de l'alcool. Ça n'existe pas. Voilà, donc l'alcool est toujours dangereux pour la santé et toujours à consommer avec modération. Donc ça n'existera pas. Voilà. Il y a deux, trois phrases type. Là, je ne l'ai pas mis, mais l'activité physique, vous pouvez la mettre aussi. Là, je me suis vraiment centrée sur l'alimentation, mais vous pourrez le mettre aussi, en fait, hein, finalement. Voilà donc pour cette troisième tâche. Et enfin, la quatrième tâche, mise en place d'un suivi régulier, vous allez vous dire, qu'est-ce que je suis censée répondre?
Et en fait, il faut vraiment préciser le discours que vous pensez avoir auprès de Madame D par rapport à l'importance d'un suivi régulier. Donc voilà, de lui dire de prévoir des consultations régulières, qu'il faut qu'elle peut-être revoie son médecin pour lui partager le compte-rendu d'une autre séance. Pensez vraiment au discours, là pour le coup vous êtes vraiment dans la peau d'un professionnel, pensez vraiment au discours que vous allez tenir face à votre patiente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit cas pratique, c'était une demande que j'ai eue sur Instagram, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, bah, vous savez que ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la à vos potes, ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Et en ce moment, on est sur une bonne pente, donc je vous remercie énormément. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux aussi. On se retrouve sur le site internet de Dietetic Student parce qu'il y a des fiches, il y a des e-books, il y a un forum pour que vous puissiez poser vos questions. Donc voilà, faites-vous vraiment plaisir et soutenez cette chaîne, ça va me permettre de continuer de la développer. Et puis moi je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo et d'ici là on se retrouve sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde, ciao!